Retrouvez-moi au bureau de Falk quand vous aurez fini. William, je crois qu'il existe un moyen d'éviter de telles souffrances. Je veux pas mourir. Vous ne mourrez pas, en principe. J'ai entendu parler de la fiesta pour votre retour, Carter. Ça fait plaisir de vous voir en un seul morceau. William, Dieu merci, vous allez bien. Vous allez bien, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine que oui. Tout le monde était inquiet. Oui, probablement pas seulement pour ma santé. Il paraît que vous avez aidé l'agent Weaver à trouver des infos sur Axis. Vous voulez m'en parler? Oui, il est absolument impératif de le prendre vivant. Il faut extraire de lui l'implant de mosaïque alors qu'il est en vie. S'il meurt, l'implant s'effacera automatiquement. En général, je préfère les xénons morts. Je vous épargnerai les détails, mais Axis est apparemment l'un des rares xénons à être allé dans le noyau de mosaïque, là où réside l'être qu'ils appellent Genesis. Je peux extraire cette information de son esprit, s'il est en vie. Et comment ferez-vous? C'est assez remarquable. C'est lié au mode de traitement de l'information et des communications du réseau mosaïque. Ça implique des impulsions électriques. Écoutez, si vous pensez y arriver, moi ça me suffit. Qu'est-ce qui se passera quand on aura ces coordonnées? On rejoindra la planète ennemie. Vous êtes sûr que ça va marcher? Presque certain. Il y a trop d'incertitudes à mon goût. Avec plus de temps, ou si Laurence était là... Allez, Doc. Au moins, si ça ne marche pas, on mourra tous. Très rassurant, agent Carter. Maintenant, vous savez ce que ça fait. Le monde n'offre aucune certitude. Parfois, les choses qui paraissent les plus sûres... Vous parlez de votre ancien assistant, n'est-ce pas? Oui, je suppose que oui. Écoutez... Vous pensiez pouvoir lui faire confiance et au moment crucial, il a agi. J'ignore pourquoi il nous a aidés, mais humain ou pas, il l'a fait. J'aurais aimé lui demander pourquoi il a menti. Pourquoi le fait-on? Mais on a du boulot, là. Oui. Ça veut dire que vous savez comment marche le traceur de phase? Je pense que oui. Les gars de l'ingénierie sont en train de l'installer sur l'Avenger en ce moment même. Vous avez appris des tas de trucs dans cette tour. J'ai pu recueillir un grand nombre d'informations dans la tour ennemie. La portée et la densité de ce réseau, c'est vraiment remarquable. On a de la chance de vous compter parmi nous. C'est pas la chance qui m'a amené ici, agent Carter. Espérons que l'Avenger tiendra le coup. Je meurs d'envie de voir d'où viennent ces choses. Franchise. Je dois dire que je me sens mieux après avoir... Gardien, le prisonnier se comporte correctement? Hein? Oh, il s'est tenu tranquille. Quelque chose vous préoccupe? Désolé, Carter. C'est juste que j'ai eu pas mal de soucis ces temps-ci. Ça va affecter votre travail? Non. Non, monsieur. Pas du tout. Tâchez de l'éviter. Rappelez-vous qui vous gardez. Comment va notre ami l'infiltré?
Il est assez calme depuis que vous avez discuté avec lui. Comme s'il méditait, je dirais. Mais je sais pas à quoi il peut bien penser. J'ai apprécié le dernier entretien. Est-ce que je pourrais lui parler de nouveau ? Je ne le recommande pas, mais si vous entrez, nous devrons utiliser des témoins pour nous assurer que la personne qui ressortira est bien vous. C'est mieux que d'avoir à repasser ce test. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça doit être vraiment grave pour inquiéter quelqu'un comme vous. Ma petite amie est dans l'Iowa. Elle s'occupe de quelques réfugiés dans une grande ferme, et elle envoie des messages chaque jour. Mais... Mais quoi ? Dans son dernier message, elle avait l'air très fatiguée. Et elle a dit qu'elle avait trouvé des traces de goudron sur son oreiller. Merde. Désolé. On a déjà envoyé une équipe récupérer le plus de gens possible. J'espère qu'elle reviendra ici à temps. Attention, Rose. Un gardien distrait est un gardien mort. Reprenez-vous ou faites-vous remplacer. Oui, monsieur. Ce sera pas un problème, monsieur. Et... bonne chance. Vous revoilà, William Carter. C'est agréable de voir un visage familier. T'es de bonne humeur pour un prisonnier de guerre. Comme vous. Ce qui signifie que vous avez trouvé un traceur de phase. Alors, vous comptez lancer cette attaque stupide ? C'est quoi ton nom ? Vous ne comprenez pas le fonctionnement de Mosaïque. Quand nous sommes connectés... Nous sommes Mosaïque. Les noms n'ont plus d'importance. Tu n'es plus connecté. Alors, c'est quoi ton nom maintenant ? Je n'en sais rien. Je ne m'en suis jamais préoccupé. Tu devrais peut-être. Aide-nous à gagner, et je t'appellerai comme tu veux. Tu dois savoir des choses sur Axis. Si on part à sa recherche, à quoi faut-il s'attendre ? Axis ? Le Primarque ? Vous ne manquez pas d'ambition, William Carter. Axis, le Primarque, appelle-le comme tu veux. Il est sage et patient. C'est pour ça que Mosaïque l'a mis à ce poste. Vous croyez que c'est par hasard qu'il a si rapidement conquis votre planète ? Il n'est pas si malin, on a déjà retrouvé sa trace. Naturellement. Il va vous laisser venir à lui pour mieux vous détruire. C'est du suicide, William Carter. Tu veux vraiment voir disparaître Mosaïque ? Dis-nous où ils emmènent les hypnotisés. Et comment les guérir ? Je ne sais pas. Je suis un guerrier, pas un érudit. Je ne sais pas si c'est guérissable. On verra. Reste dans le coin. Est-ce que j'ai le choix ? Bien sûr que non. Prudence, William Carter. Le bruit qu'utilise. Si on réussit à s'en tirer... Oh, ne commencez pas. Non, vraiment. Si on s'en sort, ces technologies vont transformer le monde. J'ai une nouvelle pour vous. C'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a sur votre planche à dessin aujourd'hui ? Oh, la routine ! Des armes que vous avez rapportées, des sous-systèmes pour l'Avenger, et quelques projets annexes au cas où... Pardon, en prévision de la reconstruction. Il est un peu tôt pour parler de reconstruction, mais je suis curieux de savoir ce que vous avez. Ce n'est pas grand-chose, mais... Eh bien, j'ai examiné le peu qu'on a récupéré des germes Xénon. Imaginez si on pouvait les dupliquer. Ça faciliterait effectivement la reconstruction, c'est vrai. Oui, en effet.
L'Amérique pourrait s'en servir pour construire des abris pour réfugiés, redonner vie à des zones dévastées, et peut-être même aller jusqu'à coloniser l'ancien territoire soviétique. Je crois que vous mettez la charrue avant les bœufs. Bien entendu, certains pays pourraient prendre cela pour une poursuite de l'attaque Xénon. Mais le gros avantage de ces germes est qu'ils permettent de créer des bunkers, ainsi que des... Doc. Oh, pardon. Où en est l'Avenger ? C'est lent, mais on progresse. Le Dr. Weir a installé le portail Venn, et compte tenu des contraintes prévisibles, il nous a fallu renforcer considérablement la coque. Je suis déjà impressionné qu'il réussisse à quitter le sol. Le système d'omnipropulsion de Dressner est incroyable, non ? En fait, si on canalisait son énergie sur une cible ponctuelle, on obtiendrait un impact cinétique équivalent à... Reprenez-vous, Doc. Une chose à la fois. Vous avez de nouvelles armes pour nous ? Murphy et moi avons eu beaucoup de chance avec ce que vous avez rapporté. Mais combiner leur système au nôtre n'est pas très facile. Ça a eu l'air de marcher pour l'Avenger. Pour être tout à fait honnête, nous n'aurions jamais réussi sans le génie de Weir. Et il semble avoir des réticences éthiques vis-à-vis du développement d'armement. Bon, j'ai d'autres affaires à régler. Bonne chance, Doc. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, messieurs, vous avez un nouveau jouet. Je vous assure que ce fusil à transfert d'induction d'Ellerium n'a rien d'un jouet. Ce que je veux dire, c'est que nous testons une arme potentielle pour Monsieur Barnes. On n'a pas déjà accès à l'armement des Xénons ? Vous l'avez amélioré ? On peut toujours tout améliorer, Carter. Il y a toujours un système de transfert plus fluide ou un meilleur profil de dispersion à exploiter. Et vous allez nous le trouver, bien sûr. On fera tout pour. Enfin, presque tout. Vous voulez qu'on vous aide à le tester ? Nous espérions cette question. Notre assistant habituel semble avoir de nouveau disparu. Pas vraiment disparu, bien sûr. Non, non, bien sûr que non. Ça n'arrive jamais. Vous disiez ? Oui, le matériel est en place. Appuyez sur ce bouton et écartez-vous. Et essayez de ne pas disparaître. Comment fonctionne ce monstre ? C'est très simple, en fait. Imaginez un bobinage Tesla dont la tension serait concentrée via un système de tir balistique à Ellerium. Traduction ? C'est un canon à foudre. Je vois à quoi ça pourrait servir. Je ne sais pas, ça tiendra difficilement dans un holster. Oui, très drôle. Mais une fois les principes de base validés, on passera à la miniaturisation. Et il restera utile ? Oh oui ! En associant notre savoir-faire balistique aux armes énergétiques ennemies, l'armement est à l'aube d'une nouvelle ère. Associer leur technologie aux nôtres, comme pour l'Avenger. Intéressant. C'est tout ce que je voulais savoir. Oui, je suis sûr que vous serez très utile. Il est tout à fait normal de faire participer un agent de terrain, après tout. Si vous voulez bien appuyer sur le bouton de l'appareil, nous pourrons poursuivre les tests. Je ne sais pas si ça nous sera très utile sur le terrain, messieurs. Seigneur, laissez-moi ajuster les niveaux de décharge. Bien, réessayez. C'est nettement mieux. Très satisfaisant, mais je crois qu'on peut faire mieux. J'augmente encore le niveau d'énergie. Réessayez. J'ai l'impression qu'il vous reste quelques problèmes à régler, messieurs.
Tout le monde va bien ? Mieux que bien. Vous avez vu la charge ? Au-delà des instruments. C'est un miracle qu'on ne soit pas mort. Magnifique ! Je veux que vous vérifiez et revérifiez tout. Si c'est déjà fait, recommencez. Et une fois de plus, histoire d'être sûr. Carter, vous devinerez jamais ce qu'on a trouvé. On a attrapé un espion près de l'Avenger. Un espion, ici. Merde. Il a fait des dégâts ? Je crois pas. On vérifie tout, mais je crois qu'on l'a eu avant qu'il puisse agir. Un autre infiltré Xénon. Nom de Dieu. Pas un Xénon ! Un Russe. On est attaqué par des extraterrestres et il faut continuer à se méfier des Russes. Ces cocos sont vraiment cinglés. Un Russe ? Comment est-il entré ? Il était là depuis un moment. Il s'était fait affecter au hangar avant l'attaque. Et il a réussi à nous échapper tout ce temps. J'aimerais parler à ce type. Où est-il ? Dans le bureau du contremaître, là-bas. Folk veut qu'on le débriefe avant de l'exécuter. Vous venez parler aux Russes. Je crois que c'est peine perdue, mais bonne chance. Que venez-vous faire ? Mentir ? Me torturer ? Si c'est ce que tu veux, je venais seulement discuter. Je veux savoir ce que tu fais ici. Je ne répondrai pas à vos questions. Aussi. Vous croyez que ça va me faire parler ? Vous êtes faibles. Tous autant que vous êtes. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... il n'est plus question de guerre froide. On a de plus gros ennemis à affronter. Ton pays aussi. Les extraterrestres ? Ce n'est pas la première fois qu'on me présente cette histoire. Je suis allé dehors. C'est vrai, je te le confirme. Un humain sur deux est mort et l'autre est infecté. Il est difficilement concevable que les extraterrestres n'aient décidé de frapper que les États-Unis. Je peux t'assurer que tes camarades en URSS aussi passent un sale quart d'heure. Enfin, en considérant qu'il reste encore des survivants. C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve. Que des voix à la radio et des photos traquées. Pourquoi je croirais à des bêtises pareilles ? Te tuer serait du gâchis. Tu vis caché ici depuis longtemps, apparemment. Tu as du talent. Et on a besoin d'agents. Les Xénons n'ont pas attaqué que l'Amérique. Vous pensez vraiment que je vais vous croire ? Des envahisseurs venus de l'espace ? Vous me prenez vraiment pour un crétin ? Écoute, je te propose un marché. Voilà, je t'envoie là-haut. Tu vois par toi-même. Si je dis la vérité, tu travailles pour moi. Sinon, tu pourras te tailler à Cuba. Et si je ne respecte pas le deal ? Ça ne me dérange pas que tu ne tiennes pas ta parole. Tu auras une arme, tu seras sorti d'ici. Dans les deux cas, tu ne seras plus mon problème. Très bien, je veux bien voir ces extraterrestres. Content de t'avoir parmi nous. J'espère que vous... Je crois que vous avez bien fait. On a besoin de toute l'aide possible. Ce coco est coriace, mais je crois qu'on peut le convaincre.
C'est trop risqué, Carter. Peut-être, mais là, c'est humain contre Xénon, pas américain contre soviétique. Il faut que quelqu'un l'emmène dehors pour lui montrer la situation. Si vous le dites, je vais monter une mission de recours. Espérons qu'il se rappellera qui sont les gentils. Paraît que vous vous êtes bien amusé avec Falk. Ah, c'était chouette. Ça aurait pu être pire. Ils m'ont retenu pendant une heure pendant qu'ils nettoyaient la salle de test après votre petite fiesta. Quelqu'un vous a attaqué? Vous avez gagné, je crois. Alors, vous avez quoi en tête? Où en est l'Avenger? C'est presque terminé, d'après ce que je sais. Si la version finale se comporte comme celle des premiers tests, vous n'aurez jamais aussi bien voyagé. Tant qu'il fait ce qu'on lui demande... Obtenez d'Axis les coordonnées, et l'Avenger et moi, on vous amènera là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec les Skyrangers? Après avoir vu ce Titan, j'ai fait adapter quelques systèmes de l'Avenger à nos engins plus anciens par les génies du labo. De quelle sorte de changement s'agit-il? Rien de révolutionnaire, mais les Skyrangers seront plus rapides, plus puissants et plus résistants. Et on est sûr que cette nouvelle technologie sera sans danger sur le terrain? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, Carter. Je vous laisse y retourner. D'accord. Mais il faudra un moment avant que cet oiseau soit prêt à repartir. Continue à penser que cet ascenseur va s'ouvrir et que ma Mabel va en sortir. Ça n'arrivera pas, mon vieux. C'est impossible. Mais ça pourrait, hein? Hey, Carter. J'ai appris pour Da Silva. Une décision difficile, mais vous avez pris la bonne, petit. Ça va, vous tenez le coup, Carter? J'ai connu mieux. Toute l'espèce humaine a connu mieux. Maintenant que vous avez vu les hypnotiser, vous en pensez quoi? C'est pire que ce que je pensais. Mais au moins, ils sont à l'abri à l'infirmerie. Ceci dit... Non, laissez tomber. Qu'est-ce qui vous travaille? C'est pas très juste de dire ça, mais... Leur présence pèse sur les réserves de vivres et d'eau. Et sans eux... On aurait de quoi tenir 4 mois de plus. Vous recommanderiez quoi d'autre? Rien pour l'instant. Mais si la guerre se prolonge, il va falloir se demander si on peut se permettre d'être aussi généreux. Est-ce qu'on tient le coup? Ah, c'est bien, en fait. On continue à accepter du monde. Alors Barnes fait voler ses hélicos jour et nuit, et il rapporte des vivres et du matériel des entrepôts. On pourra peut-être s'en sortir. Ah, je miserai toujours pas sur nous. Mais au moins, on peut se battre. Et on dit que c'est grâce à vous. Votre copain Falk a failli me flinguer. Ah, ah, c'est pas une première. Moi aussi, il a failli me flinguer une fois ou deux. C'est pas une blague. Non, petit. Non. C'est la putain de vraie vie. Il y a plus en jeu que votre ego. Alors encaissez et tâchez de ne pas oublier qu'il a le sort de toute notre espèce sur les épaules. Mais s'il commence à donner dans l'abus de pouvoir... Si ça arrive... Vous pourrez compter sur moi. Mais ne menez qu'une guerre à la fois. Je n'en demande pas plus. Très bien alors. Bonne chance là-bas, Carter. J'ai appris pour l'agent Da Silva? Ouais, je l'ai vu. J'en sais rien. À sa place, je crois que je n'aurais pas voulu rentrer. Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se permettre de veiller sur tout le monde. Je dis juste qu'il aurait peut-être pu partir en beauté. Ce n'est pas parce qu'il a attrapé le virus qu'il est mort. Tant qu'on est
qu'il n'y a plus d'espions, on va pouvoir sortir. Ça va faire du bien, hein? C'est ça, tout va pour le mieux. Vous pourriez inviter une des hypnotisées à danser? Qu'on peut faire quelque chose pour eux. On leur a évité d'être expédiés, Dieu sait où. C'est pas rien, quand même, non? Qu'est-ce qu'ils font de tous ces hypnotisés? Vous avez lu le compte-rendu. C'est assez clair, non? Que voulez-vous dire? Chulski? Monsieur? Des choses intéressantes? J'entends plein de choses intéressantes, monsieur. Quant à savoir lesquelles sont vraies, c'est une autre histoire. Vous cherchez quelque chose de précis? L'agent Weaver a trouvé un signal dans l'Oregon. J'aimerais que vous l'examiniez. Elle a parlé d'un truc de ce genre. L'Oregon, c'est ça? Ouais, elle pense qu'il y a peut-être un site là-bas. Bon, voyons ça. Dites-moi ce que vous savez. Je devrais pouvoir le localiser assez vite. L'agent Weaver a déjà fait le plus dur. Je repasserai plus tard. Bon, les gars, préparez votre matériel et rassemblez-vous. Ce sera un autre sauvetage sans intérêt ou on aura droit à un peu d'action, monsieur? Ça vient d'aussi ennuyeux cette fois, Kenny. Non. Ce coup-ci, on plonge dans la gueule de la bête. Bon sang, c'est pas trop tôt. Certains de ces hypnotisés se regroupent près d'une tour au Nouveau-Mexique. On doit découvrir pourquoi et désactiver la tour. Vous êtes sûr qu'on n'attrapera rien en se promenant parmi tous ces zombies? Votre seul souci, c'est d'entrer dans cette tour. En vie. Oui, monsieur. On va rester sur place un moment. On examine le coin, on trouve le moyen d'entrer, et on y va. Et on essaie de rester discret, jusqu'à ce qu'on puisse frapper. Moins John Wayne et plus James Bond? C'est ce qu'on espère. Avec de la chance, on pourrait trouver de quoi soigner les hypnotisés. C'est possible, au moins? Aucune idée, mais gardons l'espoir, d'accord? Sinon, ça servira à quoi de se battre. Qu'est-ce qu'il y a sur votre planche à dessin aujourd'hui? Oh, la routine.
des armes que vous avez rapportées, des sous-systèmes pour l'Avenger et quelques projets annexes au cas où... Pardon, en prévision de la reconstruction. Bon, j'ai d'autres affaires à régler. Bonne chance, Doc. Oui, oui, bien sûr. Voilà, William Carter. C'est agréable de voir un visage familier. T'es de bonne humeur pour un prisonnier de guerre. Comme vous. Ce qui signifie que... Reste dans le coin. Est-ce que j'ai le choix? Bien sûr que non. Prudence, William Carter. S'est enfermé dans son bureau. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Chulski a remonté le signal Xénon jusqu'à un campement abandonné du sud-ouest de l'Oregon, à l'endroit mentionné par l'agent Weaver. C'est Axis, ça ne peut être que lui. Plus vite on le trouvera, plus vite on localisera Mosaïque et on chassera ces pourritures de la Terre. L'agent Weaver traque Axis depuis des années. Elle tient à le faire tomber. Elle mérite d'y aller, Falk. C'est bien le problème, agent Carter. Il me faut quelqu'un qui sache garder la tête froide. Mais malgré ça, je me contenterai de vous. Ça n'a aucun sens. Vous me cachez quelque chose. Que voulez-vous dire, agent? Dites-moi ce qu'il y a, Falk. Il nous faut Axis vivant. Et vous êtes le plus à même d'y parvenir. Le docteur Weir a besoin des informations que ce fumier a dans le crâne. S'il meurt, ces informations seront perdues. C'est compris? Laissez-moi prendre Weaver dans mon équipe. Absolument pas. Pourquoi? Je n'ai pas l'habitude d'expliquer, mais... Dites-moi pourquoi. Parce que vous n'êtes pas un modèle de retenue. Songez à votre passé, agent. Entre votre carrière et son implication personnelle, je ne peux pas risquer de mettre en danger cette mission. Dans ce cas, pourquoi m'envoyer? Je sais que vous réussirez. Et sinon, je n'aurais perdu qu'un de mes meilleurs agents, pas les deux. Elle est l'un de nos meilleurs agents. Et vous, vous êtes l'autre. On a déjà perdu Da Silva, Nils et au moins une douzaine d'agents chevronnés. Je ne vais pas risquer d'envoyer deux de mes meilleurs atouts sur la même mission.
Surtout si l'un d'eux est un risque pour la mission en question. Mais il vous faut... Attention! Départ sans autorisation. Skyranger Foxtrot 9-1. Regagnez immédiatement la base. Nom de Dieu. Weaver. Nom de Dieu. Elle va rejoindre Axis. Dire que vous pensiez que ce serait moi qui déconnerais. Il faut que vous l'arrêtiez. L'arrêter? Vous ne voulez pas dire... Non, bien sûr que non. Sauf si c'est nécessaire. Trouvez-la et calmez-la. Il nous faut Axis vivant. Il nous faut les deux vivants. Exactement. Équipez-vous et allez aux Ops quand vous serez prêts. On passera en revue la mission. L'agent Weaver a de l'avance, mais avec Barnes sous commande, vous gagnerez du temps. Votre tâche est de faire en sorte que la cible reste en vie jusqu'à ce qu'on en extrait les infos nécessaires. Ne laissez en aucune circonstance l'agent Weaver éliminer la cible. Allez, filez !